Allô, mon nom est Geneviève, je viens de Montréal, du Québec. Donc, ça fait 2 jours qu'on est arrivé ici au hostel X-Base à Magnetic Island. C'est vraiment un des plus beaux hostels que j'ai fait depuis que je suis en Australie. On est directement sur la plage, il y a une super belle piscine avec la vue sur l'océan derrière nous. On est à peu près à 2 km du traversier, donc c'est tout près. Mais je vous dirais que pour faire les activités sur l'île, c'est mieux d'avoir une voiture, en fait, parce qu'il y a pas, on peut pas vraiment faire le tout à pied. Ce qu'il y a à voir, il y a des belles randonnées à faire avec les koalas qu'on peut voir dans la nature. Il y a aussi le sanctuaire de koalas qu'on peut payer pour prendre une photo avec un koala. Des walibis, il y en a tout partout. Donc, les différents types de chambres ici, il y a les dortoirs. Nous, on avait un dortoir de 6 lits. Il y a aussi des chambres privées plus pour les couples, puis des cabines plus pour les familles. Donc, lit double puis lit simple, je crois. Vous avez le choix aussi d'être plus près de la plage ou pour un budget plus limité, une chambre pas directement sur la plage, c'est super aussi. L'animation, c'était bien. Il semble avoir des soirées thématiques à peu près tous les soirs, différents thèmes. On a eu la chance de vivre l'expérience du Ladies Night qui a été très agréable avec les gars qui s'étaient déguisés, puis toutes sortes de jeux pour gagner toutes sortes de prix. Ils sont licenciés, ils ont un permis d'alcool, donc c'est pas permis d'avoir ses propres consommations. On n'a pas testé non plus le restaurant, mais ça avait l'air super bien là, comme menu, tout ça. Donc c'est à peu près tout. On a eu la chance de faire du snorkeling ici. On peut nager de la plage pour voir une petite barrière de corail. C'est bien d'avoir la chance de pouvoir le faire directement de la plage, de ne pas payer pour un tour là, supplémentaire pour pouvoir faire ça. Puis je le recommande tout à fait parce que, surtout pour l'emplacement directement sur la plage, c'était vraiment bien. Merci!